Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passé le voyage vers Tenerife, mais pas que le voyage, également la préparation pour le championnat, les premières plongées. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Nous sommes partis de Bruxelles et nous sommes allés ici sur les îles des Canaries et plus précisément sur l'île de Tenerife. Donc, comme vous le voyez, les îles des Canaries se trouvent à l'ouest de l'Afrique et les îles Canaries contiennent, enfin sont composées de 7 îles. Et à la plus petite à l'ouest, qui est la plus proche du point chaud, qui sont 7 îles volcaniques, donc toutes formées à partir d'éruptions volcaniques et d'activités volcaniques. La plus à l'ouest s'appelle El Hierro. Ensuite, il y a ici La Palma. Ensuite, nous avons La Gomera, Tenerife, la Grande Canaria, le Fuerteventura et Lanzarote. Donc nous nous sommes allés, le championnat se déroulait sur Tenerife, plus exactement au sud sur Las Galletas, ici la petite île au sud que l'on trouve ici, donc la petite ville de Las Galletas. Il y avait 4 lieux de plongée où nous avons pu aller, un juste ici qui s'appelle Las Rayas. Montaña Amarilla est le deuxième site de plongée, à côté d'une montagne, comme son nom le dit, qui est jaune, qui est faite de sable. C'est une des seules montagnes qui n'est pas volcanique. Nous avons un troisième lieu de plongée qui est au niveau du phare, le Faro de la Rasca, un lieu de plongée qui se trouve ici. Et nous avions un quatrième lieu beaucoup plus éloigné, au-delà de la petite ville de Palmar qui est ici, et qui se trouve ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle le point El Bufadero, où il y a un lieu avec normalement des tortues. Le voyage en lui-même a été assez compliqué avec des trains annulés pour arriver à l'aéroport. L'avion aussi avait plus de 6 heures de retard. Je suis donc resté dans l'aéroport et j'ai pu profiter de ces moments, de ces accords de musique classique. Arrivé vers minuit au logement, il restait peu de temps pour préparer le matériel et se reposer pour les plongées qui commençaient le lendemain dès 8h30. Nous avons plongé avec le club Buceo Tenerife, un club local espagnol qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils sont très sympathiques, ils ont une grande expérience des sites de plongée, ils ont du matériel, ils ont 2 compresseurs et il est possible de plonger au nitrox. Alors je partage avec vous quelques vidéos que j'ai prises, que Valérie a prises pendant nos séances de photos. Ceci est le site de Las Rayas, un endroit où il y a normalement des raies et une petite épave comme vous pouvez le voir. Valérie donc est un petit peu plus au-dessus de moi et voici les photos que cela donne. Il est également possible et utile pendant qu'on se déplace d'un endroit à l'autre de revoir les photos, éventuellement de les traiter en fonction de ce que l'appareil permet de faire. Ici, on a détecté une petite sèche et je vais demander à Valérie de se positionner avec son visage à une situation particulière. Alors pour vous montrer la taille de ce sujet, de cette petite sèche, Valérie va l'éclairer. Bon, c'est une caméra GoPro qui n'est pas bien éclairée et la lampe est un petit peu puissante. Mais donc vous voyez un petit peu la taille du sujet. Et malgré le grand angle installé sur l'appareil photo, qui était utilisé pour l'épave, en se rapprochant bien du sujet et en recadrant un petit peu la photo, on a quand même une vision assez sympathique de cette sèche. Ici, vous voyez Valérie avec la combinaison rouge de chez Marès. Elle est bien placée, elle est juste un petit peu floue car un petit peu trop derrière et sans doute mon ouverture de diaphragme est un petit peu trop grande. Le sujet est bien net, donc la mise au point est bien faite sur la sèche. Par contre, donc Valérie est un petit peu floue, ce qui gâche la photo. Il y a aussi pas mal de suspension. Au niveau de l'éclairage, j'ai un flash sur la sèche et l'autre flash dirigé sur Valérie. Ici, nous sommes à El Bufadero. Un endroit où Valérie a trouvé un petit poulpe caché dans une anfractuosité. Donc je suis très proche, je fais la photo pourtant au grand angle, donc plutôt de la proxy que de la macro. Lorsque je fais mes photos, mon flash s'éteint, c'est ce qu'on a pu voir brièvement.
Donc là, je fais une photo au 8 mm avec une photo qui donne un résultat circulaire pour aussi faire une photo au 15 mm où on voit la photo qui est photo plein cadre et j'en ai profité car là j'avais une petite girelle pan qui venait faire la pose. La prise de vue des portraits poissons n'était pas évidente car les poissons étaient très agiles, assez peureux, ne se laissaient pas rapprocher. Je vous propose maintenant de passer en revue ou de revoir un certain nombre de photos que j'ai prises, une sélection de photos prises pendant ces jours d'essai et cela accompagné par un morceau d'un prélude de Bach. Profitons de cette vidéo pour remercier nos partenaires et nos sponsors qui ont rendu possible notre participation à ce 17e championnat du monde de photographie sous-marine. Dans cette vidéo, nous remercions Aquatop, un magasin de plongée de la région de Namur, à Mornimont plus exactement. Il nous a soutenus financièrement ainsi que logistiquement avec, entre autres, la préparation de bouteilles Nitrox. Nous avons apprécié les conseils et le magasin très bien achalandé en tout type de matériel. Il est tenu par Jean-Philippe, un spécialiste passionné par la plongée sous toutes ses formes. Si vous êtes dans le coin, allez-y, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo, vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.